الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Mes chers frères et sœurs en islam, Rasulullah صلى الله عليه وسلم nous dit, comme dans un hadith authentique qui a été rapporté par l'imam Muslim رحمه تعالى, إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Il nous dit عليه الصلاة والسلام, certes Allah سبحانه وتعالى ne regarde ni votre image ni votre richesse, mais Allah سبحانه وتعالى regarde plutôt vos cœurs ainsi que vos actions. Et dans une autre narration authentique aussi qui est dans Sahih Muslim, il a dit عليه الصلاة والسلام, إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Comme dans Sahih Muslim, il nous dit عليه الصلاة والسلام, certes Allah subhanahu wa ta'ala ne donne d'importance et d'attention ni à vos corps ni à votre image, mais il donne l'importance et l'attention et toute l'attention à votre cœur. Vous pouvez voir ici que dans une narration, ça nous parle du cœur et des actions. Dans l'autre, ça nous parle tout simplement du cœur. Et on va dire, inshallah ta'ala, on va parler de cette relation entre les deux, bi'idnillah et azza wa jal. Mais pour commencer, mes chers frères et sœurs, comme on peut voir dans ce hadith, on peut comprendre de ce message du prophète, alayhi salatu wassalam, que pour Allah, subhanahu wa ta'ala, toute chose qui ne vient que de lui, dans laquelle on n'a aucune implication, sur laquelle nous n'avons aucune responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde aucune importance. Ça veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta richesse ne représente rien. Quand tu vas venir devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, que tu sois un millionnaire ou bien la personne la plus démunie sur cette terre, ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton image, que tu sois beau, que tu sois moche, ça ne change rien pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ton corps, que tu sois musclé, que tu ailles à chaque jour au gym pour te faire, comme ils disent, le physique, etc., etc., mais que par la suite, tu te trouves à être faible pour te réveiller, pour faire salat, pour te lever devant Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. L'autre personne qui est faible, qui n'a pas de muscles, qui est malade, et qui a cette puissance du cœur pour se réveiller, pour faire la salat, pour Allah subhanahu wa ta'ala, est plus importante. Notre nasab, notre appartenance, notre famille, notre père, notre mère, notre grand-père, notre grande-mère, notre tribu ne représente rien pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas dire le jour du jugement, ya Allah, moi mon père c'était un pieux. Moi, ma tribu, c'était une tribu qui était religieuse, conservatrice. Ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et ça, subhanallah, en passant juste une petite parenthèse, c'est l'une des choses qui nous représente, ou bien qui nous rappelle que cette foi, que le concept de la foi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un concept qui est complètement authentique. C'est de la vraie foi. L'islam, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, et on le répète parce que c'est extrêmement important de bien comprendre ce point, l'islam, ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupe d'intérêt, ce n'est pas un groupe de pression, ce n'est pas une culture, c'est une foi. Et tout simplement une foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans son qadr que cette foi de l'iman et de l'islam, si tu regardes, tu la vois toujours en train de sauter d'une famille à une autre. Subhanallah, c'est très rare de trouver par exemple, si tu vas voir tous les ulama et tous les pieux à travers la umma du prophète alayhi salatu wassalam, c'est très rare et très précieux de trouver quelqu'un qui était un alim ou bien un pieux
et que son fils ou bien l'un de ses fils par la suite a suivi exactement le même chemin. Tu peux trouver un petit alim qui est le fils d'un grand alim, mais c'est très rare de trouver un grand alim qui est le fils d'un autre grand alim. Comme par exemple, tu peux le trouver pour l'imam Subki et son père, alayhim rahmatullahi ta'ala, imam Abul Ma'ali al-Juwayni, ainsi que son père, alayhim rahmatullahi ta'ala. Mais pour la plupart des savants, ce n'est pas le cas. Même que les savants, subhanallah, ils ont porté attention à ce point et à ce phénomène bizarre, et ils ont dit « Azhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu ». Les personnes les moins intéressées, qui donnent le moins d'intérêt à la connaissance et à la valeur d'un alim, d'un grand savant, c'est habituellement sa famille, ses proches ainsi que ses voisins. Tu peux trouver quelqu'un, un grand alim, il y a sans aucune exagération des millions de personnes qui voudraient le voir, qui voudraient l'écouter, etc., etc. Il y a des personnes proches de chez lui, de sa famille, de son propre entourage qui n'ont pas le goût de lui poser même pas une question lors de leur vie sur la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Son fils qui ne porte aucune attention à la religion. Nous avons même le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nuh alayhi salam, que son propre fils, Nuh alayhi salam, l'un des ulul azm, l'un des meilleurs messagers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, son propre fils, kafara billahi azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Tout ça pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que la foi, ce n'est pas un héritage. Tu ne peux pas la passer au prochain. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas une famille qui est sainte, une famille qui représente l'islam, qui préserve l'islam. Tu as certaines familles qui sont là pour prendre en charge certaines parties très minimes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, pour la Mecque, le Ka'bah, tu as Sadanat al-Bayt. Tu as une famille spécifique qui jusqu'à de nos jours, par la wasiyya du prophète alayhi salatu wa salam, c'est eux et eux seuls qui possèdent la clé de la Kaaba. C'est eux qui vont l'ouvrir une fois par année pour qu'on vienne la nettoyer, etc. Mais c'est tout. On n'a pas une famille qui est sacrée qui, elle représente la foi. Tout ça pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous représente ou bien nous rappelle que comme on va l'entendre tous le jour du jugement, chacun des prophètes, à part Muhammad alayhi salatu wa salam, à la fin, chacun d'entre eux, quand les gens vont aller vers lui, il va dire « Nafsi, 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 moi-même, moi-même, moi-même ». Il n'y a personne qui va te sauver le jour du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à part nos propres actions et notre propre foi auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, ce hadith, comme on peut le voir dans une narration, qui met de l'emphase sur la question du cœur, « وَلَكِنْ يَنْضُرُوا إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ » Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde que votre cœur. C'est pour ça que les savants, ils ont dit « أَلْقَلْبُ مَحَلُّ نَضَرِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَبْدِ » C'est la chose principale et qui importe le plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette question du cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle beaucoup dans le Coran al-Karim. Dans le Coran al-Karim, et regardez subhanallah dans une autre narration de ce même hadith, « Inna Allah la yanduru ila wa ila wa ila » dans une autre narration du même hadith, le prophète alayhi salatu wasalam a dit après ça, comme dans Sahih Muslim, « At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna » Il a dit « At-taqwa », la crainte et la piété et la foi se trouvent ici. Et il a répété trois fois, alayhi salatu wassalam, pour nous indiquer que « Aslul iman », que la source de la foi, ça vient du cœur. Et que ça, c'est la chose la plus importante. C'est le roi de tout le corps. C'est la personnalité de la personne qui est représentée par cette petite organe de notre corps qui est « Al-qalb », qui est la chose la plus importante que Allah subhanahu wa ta'ala a créée dans notre vie. Mais mes chers frères et sœurs, comme vous pouvez déjà le constater, comme vous pouvez l'imaginer, ça c'est une, comme ils disent, kalimatu haqqin qad yuradu biha batil. Parfois tu as quelque chose de vrai, une information qui est vraie, qui est authentique, qui est véridique, mais quelqu'un va la ramener et va lui donner un autre sens, va la dévier de son sens qui est principal. Il y a des personnes qui vont te dire, le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde votre cœur. Et quelqu'un va dire « At-taqwa ha-huna ». Alors, ce n'est pas important. Toutes les bonnes actions qu'on fait, tout ce qui est halal, tout ce qui est haram, comme certaines personnes, ils vont te dire « Moi, je ne suis pas salat, je bois de l'alcool, je vole, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que j'ai la foi, que je suis une bonne personne. Et ce qui importe, c'est al-qalb, c'est ici, ça se trouve ici. Et ça, c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon d'essayer d'interpréter.
ou bien de justifier par une fausse interprétation nos propres erreurs, comme on le sait. Et on le sait à l'intérieur de notre cœur que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas de telles choses, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Tu peux donner 1000 excuses, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu crois à l'intérieur. Wa'alamu anna Allah ya'alamu ma fi anfusikum fahdharuh. Donc on va dire, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un va nous dire attaqwa hauna, le prophète alayhi salam a dit que la foi se trouve dans le cœur, donc les actions ne sont pas importantes. On va lui dire, le prophète alayhi salam, avant de dire attaqwa hauna, dans le même hadith, il a prononcé plusieurs paroles, alayhi salatu wasalam. Mais écoutez ce qu'il a dit, alayhi salatu wasalam, avant de dire attaqwa hauna. Il a dit, la tahasadu. Ne faites pas de hasad l'un contre l'autre. Le hasad, c'est la jalousie qui est négative. C'est quand tu veux porter du mal à l'autre parce qu'il possède quelque chose que toi, tu ne possèdes pas. Wa la tanajashu, wa la tabaradu, wa la tadabaru. Ne soyez pas des ennemis, n'ayez pas la haine l'un contre eux. L'autre, toi contre ton frère. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Regardez, des règles même pour ce qui est des finances, des transactions. Il dit, alayhi salatu wasalam, tu n'as pas droit dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est haram, c'est interdit de vendre ou bien d'acheter sur l'achat de ton frère. Ça veut dire, si personne A vient faire une transaction avec personne B, et il va lui dire, ça y est, j'accepte d'acheter ta voiture pour tant d'argent. Et l'autre, il va lui dire, j'accepte, et commence à parler des modalités, etc. Toi, tu n'as pas le droit en tant que personne C d'arriver en courant et dire, ah, moi, je vais t'offrir un meilleur prix. Parce que ça y est, la transaction est close. Donc, tu dois attendre jusqu'à ce que l'un d'entre les deux personnes va par lui-même annuler sa transaction et changer d'avis. Là, tu peux venir avec une proposition. Donc, le prophète, alayhi salatu wasalam, dans le même hadith dans lequel il nous dit « taqwa hauna », il te dit aussi que tu n'as pas le droit et tu as des règles spécifiques à respecter même quand tu fais ton commerce avec ton frère dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. « Wa kunu ibadallahi ikhwanan » et soyez des frères. « Al-muslimu akhul muslimi » le musulman est le frère de son frère. « La yadlimuhu » il ne lui fait pas du mal, de l'injustice. وَلَا يَخْذِلُهُ أَوْ وَلَا يَخْذُلُهُ il ne le laisse pas tomber dans les situations difficiles. وَلَا يَحْقِرُهُ il ne le rabaisse pas. Et après ça, il dit, عليه الصلاة والسلام, التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا. Ça veut dire, il nous dit, عليه الصلاة والسلام, sachez avec que toutes ces pratiques, ce qui importe le plus, et toutes ces pratiques, leurs sources, elles vont toutes provenir en quelque sorte d'une seule source qui est quoi? Qui est taqwa, qui se trouve dans le cœur de la personne que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, que nous, on ne connaît pas en tant qu'être humain. Et regardez aussi dans l'autre hadith aussi authentique qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, il dit alayhi salatu wasalam. Et ça, c'est un hadith très important pour comprendre le concept de la foi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alayhi salatu wasalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat. صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il dit عليه الصلاة والسلام, sachez certainement qu'il y a une seule et une seule unique organe dans tout le corps que quand elle est saine, le corps sera sain. Et quand elle est corrompue, le corps sera corrompu. Il dit عليه الصلاة والسلام, c'est le cœur, c'est القلب. Donc ce hadith, mes chers frères et sœurs, il nous donne une explication. Pour ceux qui aiment les mathématiques, c'est quoi la relation entre le cœur et entre les actions dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est comme une relation mathématique d'implication. Istilzam, talazum. Ça veut dire quand A existe, B va exister. Quand tu as le cœur qui est sain, les actions seront saintes et seront sur le droit chemin. Et quand le cœur sera corrompu, les actions aussi seront corrompues. Mais le contraire n'est pas vrai, comme on va le voir, inshallah ta'ala, ce qui est très important. Mais ici, on doit comprendre, mes chers frères et sœurs, que cette excuse de dire que le cœur, moi, je ne fais pas les bonnes actions, je n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne fais pas le khayr, je fais le mal, je n'obéis pas à la règle de al-halal ni de al-haram, parce que mon cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que mon cœur est bon, ce n'est pas vrai. Parce que quand la personne, son cœur est bon, ses actions vont être le résultat de la bonté de son cœur. Ça veut dire, comme ils disent, il n'y a pas de fumée sans feu et il n'y a pas aussi de
Feu sans fumée, ça veut dire quand il va avoir un feu, tu dois savoir qu'il va avoir de la fumée. Quand il va avoir une source de lumière, il va avoir de la lumière, vous voyez? Donc on ne peut pas avoir le soleil et ne pas avoir le jour en quelque sorte. Donc c'est exactement ça la relation entre la question de Al-Qalb, du cœur, et la question des actions ou bien de Al-Amal que Allah subhanahu wa ta'ala, il considère subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais ici mes chers frères et sœurs, on revient à une autre question qui est très importante. Donc là on vient de répondre à une fausse interprétation, un faux concept qui fait en sorte que les gens te disent que les actions ne sont pas importantes parce que le cœur est le plus important. Mais il y a aussi un autre concept à l'autre extrême, qui fait en sorte que la seule chose qui importe pour la personne, c'est les actions. Et on a tendance à oublier ce qui est dans le cœur ou bien ce qui est dans Al-Qalb. Et de là où ça importe pour nous de bien comprendre encore une fois cette relation entre le cœur et entre les actions. Je sais que des concepts comme ça qu'on va essayer de passer, inshallah ta'ala, ça risque de choquer certaines personnes si elles ne comprennent pas bien ce qu'on est en train de dire. Et moi, je suis pas responsable de quelqu'un qui va mal interpréter ce qu'on dit dans la khutbah. Nous, on essaye de clarifier les choses le plus que possible, inshallah ta'ala. Si quelqu'un maintenant, il va couper des phrases comme les médias ils font, il va prendre ce qui l'intéresse et le mettre dans un autre contexte, c'est sa propre responsabilité. Mais sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que si on revient à Kalam ul Ulama, les grands savants de l'islam qui se basent sur le Coran et sur la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, on va trouver que les actions, al-a'mal, ne valent rien du tout auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala si elles ne viennent pas avec le iman et avec la foi qui est dans le cœur. Écoutez quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لن ينال الله, quand vous faites votre sacrifice, par exemple udhiya pour salat ou al-eid ou bien pour eid ou al-adha, il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ni la chair, ni la viande, ni le sang ne va monter auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. وَلَكِ يَنَالُهُ, ce qui montera vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est cette foi et cette taqwa qui se trouve dans le cœur au moment où tu es en train de faire ton sacrifice. C'est l'iman et التَّوْحِيد et ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais en faisant cette action. Parce que l'action en tant que telle, la viande on va la garder, le sang on va le nettoyer. Ce qui monte c'est quoi? C'est التقوى. Donc si on essaye de donner une analogie pour expliquer la relation entre les deux, mes chers frères et sœurs, العمل, les actions, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé une sharia, des actions et tout? C'est parce que les actions sont la représentation physique de l'âme qui est la foi. Tout comme toi, quand tu regardes une personne, tu ne peux pas voir c'est quoi l'âme, c'est quoi la personnalité qui est derrière. Tu fais affaire avec un physique, avec un corps qui parle, qui fait des actions, qui agit, qui fait des choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire des actions qui sont ici pour porter la foi qui est amalu al-qalb. Et ça c'est la chose la plus importante pour Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez l'autre verset qui est dans sourate al-Baqarah. On ne peut pas le traduire au complet parce que c'est un long verset. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Mais si vous pouvez le lire inshallah ta'ala chez vous avec la traduction si vous ne pouvez pas comprendre al-arabiyya, la langue arabe, c'est le verset 177 de sourate al-Baqarah. 177. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ الْآيَةِ, jusqu'à la fin des versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: لَيْسَ الْبِرَّ. Al-birr, ça veut dire la piété, la foi. Ce n'est pas tout simplement أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Ce n'est pas de se vous tourner vers al-mashriq, ça veut dire l'est, ni vers al-maghrib, ça veut dire l'ouest. C'est quoi la cause de révélation de ces versets-là? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, avant ça, les musulmans ils priaient vers Baytul Maqdis. Au début de la vie du prophète, alayhi salatu wasalam, la qibla, la salat, se faisait vers Jérusalem. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait le nasr, l'abrogation, il a demandé au prophète, alayhi salatu wasalam, de prier vers la Mecque. Là, il y avait certains des croyants, ainsi que plusieurs de Ahlu al-Kitab et de Al-Mushrikin, qui se sont dit que c'est quoi cette religion qui est en train de changer? C'est quoi ces pratiques qui changent? Ça veut dire les pratiques qui se faisaient avant n'étaient pas valides. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit non. Ce n'est pas une question de te tourner vers l'est ni vers l'ouest. Donc la question quand tu fais ta salat,
ce qui importe pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas parce que tu t'es tourné vers la Kaaba en tant que tel, mais c'est parce que tu le fais par soumission pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, si vous voulez revenir au tafsir pour vous assurer qu'on n'est pas en train de nataqawwalu ala Allah azza wa jal, on n'invente pas inshallah ta'ala, mais vous pouvez revenir à tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il y a une phrase qu'il dit à la fin de son tafsir, regardez bien quand il parle de ce verset. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله تعالى وشرعه. Et Mujahid ibn Jabr, l'un des grands savants de tafsir, quand il a parlé de ce verset-là, il a dit ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. Ce qui importe pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la source même des actions. C'est la source même des actions. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est un grand concept faux qu'on a de nos jours. C'est pour ça que tu trouves, quand on parle de nos jours de la pratique, le musulman pratiquant, le musulman non pratiquant, on revient à des choses spécifiques. Les questions les plus fréquemment posées sont toujours les mêmes choses. Et quand quelqu'un devient pratiquant, c'est toujours les mêmes débats qui sont les plus importants. Toujours, c'est est-ce que niqab wajib ou bien c'est pas wajib? Est-ce que c'est mustahab ou bien c'est pas mustahab? Est-ce que la barbe c'est obligatoire ou bien c'est une sunna? Est-ce que mettre quelque chose sur ta tête quand tu fais ta salat, est-ce que ça fait partie de la sunna, ça fait pas partie de la sunna? Est-ce que mettre un qamis comme ça, est-ce que tu dois le mettre pour être pratiquant ou bien ce n'est pas de la sunna? Des choses comme ça, il y a des gens qui les appellent techniques. Ce n'est pas des choses qui sont techniques. Attention ici, on n'est pas en train de rabaisser comme certains vont faire des pratiques de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des questions de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fiqh, c'est une chose qui est extrêmement importante dans la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand les pratiques perdent leur dimension de foi, leur dimension du cœur, leur âme et leur raison d'être, ça devient des pratiques qui sont techniques. Il n'y a pas de doute là-dessus et vous pouvez revenir au kalam al-ulama, ce que les savants, rahimahumullah ta'ala, ils disent quand ils parlent de la question de la foi et de l'iman. Donc il faut faire attention, mes chers frères et sœurs. Ce principe, en quelque sorte, cette perception très réductrice de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quand il y a une sœur, si elle porte le hijab, le voile, ça veut dire qu'elle est religieuse, pratiquante. Et si la sœur, elle porte le niqab, ça veut dire qu'elle est très pratiquante. Et ça, wallahi, ça existe. Il y a des personnes qui voient la religion comme ça. Ah, la sœur, là-bas, mashallah, elle porte le niqab. Je ne peux pas lui parler. Elle est trop... Je parle entre sœurs, bien sûr. Les sœurs vont dire, moi, je ne suis pas pratiquante. Elle porte le niqab. Elle est trop pieuse pour moi. Rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. Et ce n'est pas pour rabaisser le niqab, encore une fois. Ni pour rabaisser le hijab, ni pour autre chose. Mais... quand on doit demander par ce qu'on veut savoir, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ou bien il n'aime pas. Pas pour suivre une tendance. Pas pour suivre une tendance et pas en limitant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à certains aspects. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Regardez pour nous, de nos jours, quelqu'un qui a une barbe, c'est un pratiquant. On va l'appeler, il y a des gens qui vont dire « akh muslim ». On appelle un « akh ikhwa ». Des gens pratiquants. Et tu peux trouver la même personne qui a l'ihya, qui commet des péchés majeurs. Et ça passe de façon qui est normale. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de al-kaba'ir, des péchés majeurs, il a cité tel et tel et tel. Après ça, il était assis alayhi sallatu wa sallam. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Ala wa shahadatu zour. Ala wa shahadatu zour. Ala wa shahadatu. Az-Zur, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'a cessé de répéter jusqu'à ce qu'on disait Ya laytahu sakat, on avait peur pour lui qu'il soit fatigué alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi shahadatu az-Zur? C'est le faux témoignage. Alors tu peux trouver quelqu'un avec une barbe comme ça, avec un qamis aussi blanc que l'éclat du jour, mais il n'a aucun problème à signer un formulaire comme ça, à dire shahidtu, je témoigne, juste pour avoir un peu d'argent ou bien pour aider l'autre à avoir un peu d'argent, alors que c'est faux. Alors que ça fait partie des péchés majeurs, de al-kaba'ir ou al-iyadu billah. Donc notre façon de voir les choses parfois, mes chers frères et sœurs en islam, c'est une façon qui est complètement twistée, comme ils disent, et complètement fausse, et complètement éloignée de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon dernier conseil, quand on parle de la da'wah, d'appeler vers Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, écoutez, en passant, il y a un autre hadith que je voudrais mentionner aussi.
C'est un hadith choquant. Wallahi, si ce n'était pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait mentionné, je n'aurais jamais eu le courage de dire une phrase comme ça. Même s'il y avait Ijma' de l'ulama qui a mentionné une phrase comme ça. Mais je n'aurais jamais eu le courage de le dire. Mais c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Hadith authentifié par plusieurs ulama, comme dans Sirah Sahiha et autres. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Aktharu munafiqi ummati qurra'uha » Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « La plupart des hypocrites de al-munafiqin de ma umma, c'est al-qurra. » C'est qui al-qurra? C'est ceux qui connaissent le Coran par cœur. Qui ce qu'ils font dans la vie, c'est de lire le Coran. C'est ça leur loisir et leur spécialité dans la vie. C'est al-qurra. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce n'est pas, encore une fois, il ne faut pas mal comprendre, ce n'est pas la majorité des qurra qui sont munafiqin. Non, ce n'est pas ça. Hachahum an dhalik. Fahum ahlu kitab illahi azza wa jal. Mais, munafiqin, la plupart d'entre eux, tu vas trouver que c'est des qurra. Wallahu ta'ala ya'lam man il munafiq wa man as-sadiq subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Mais tout ça pour dire, mes chers frères et sœurs, que tu peux trouver quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, qui connaît tout ce que tu peux imaginer, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un munafiq wal iyad billahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre al-nifaq, incha'Allah ta'ala. Et dernier point, comme j'ai dit, question de da'wah. La question, juste la semaine passée, il y a des frères qui m'ont dit, est-ce que tu peux venir donner un petit speech comme ça pour une petite conférence pour les jeunes? J'ai dit, incha'Allah ta'ala, on s'est entendu sur la date, etc. Mais ils m'ont donné le thème à traiter et dont je devrais traiter à la dernière minute. Wallahi, j'ai presque jamais eu dans ma vie une telle difficulté à savoir quoi dire. Ils m'ont dit si tu peux leur parler de la question de l'amour. Eux, c'est des jeunes, ils font face à des questions, Saint-Valentin, l'amour, Zina wal-Iyadu Billah, etc. Parle-leur de ça. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Vous savez pourquoi, mes chers frères et sœurs? C'est parce que c'est des gens que tu ramènes de nulle part, qui n'ont jamais écouté le mot d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu veux directement sauter à leur dire, ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, allez vers le halal, allez vous marier, je sais que ce n'est pas pratique, ils ne vont pas se marier le lendemain parce qu'ils ne connaissent pas encore la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont jeunes. Je leur dis que haram, 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 ce n'est pas ça le premier pas avec lequel on commence dans la religion d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Le premier pas avec lequel on commence dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Connaître notre raison d'existence. Et par la suite, la personne, quand elle sera poussée, c'est pour ça qu'usulul iman, c'est ça les six piliers de la foi. Ce n'est pas de porter le hijab, porter le niqab, etc. Le reste va venir de façon qui est naturelle. Et je vais clore avec ce hadith, inshallah ta'ala, en une seule minute. Accordez-moi une minute parce que je veux avoir un dalil pour que personne, après la khutbah, ne dise que le imam aujourd'hui, il invente des choses, il dit des choses qui n'ont pas de sens, etc. Nous, on donne nos adillah et chacun est responsable par la suite. Aisha radiallahu ta'ala anha, comme dans Sahih al-Bukhari, elle a dit « Innama nazala awwala ma nazala suratun min al-mufassali fiha dhikrul jannati wal-nar » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. Elle a dit رضي الله تعالى عنها. La première chose qui fut révélée au prophète عليه الصلاة والسلام est dans notre narration. وإني جارية ألعب. Elle a dit, je me rappelle, j'étais une petite fille comme ça dans la Mecque, je jouais. Les premiers versets qui étaient révélés au prophète عليه الصلاة والسلام parlaient de الجنة et de النار. Parlaient du paradis et de l'enfer. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Comme dans notre narration du hadith. Elle a dit, après ça, hatta idha thaba an-nas ila al-islam. Quand les gens sont venus vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi a pénétré à l'intérieur de leur cœur. Elle a dit radiyallahu ta'ala anha, wa law nazala awwal shay'in hatta idha thaba an-nas ila al-islam, nazala al-halal wa al-haram. C'est une fois que la foi s'est établie dans le cœur des personnes que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé halal et haram. Et elle a dit par la suite, et je finis avec ça inshallah ta'ala, وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا ابدا لقد نزل بمكه على رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجاريه العب بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر وما نزلت سوره البقره والنساء الا وانا عنده. Elle a dit radiallahu ta'ala anha, c'est la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait demandé, ne buvez pas de l'alcool, ne faites pas zina wal iyad billah. Ils auraient dit, on va jamais laisser tomber l'alcool,
ni al-zina wal-iyadu billah, mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé al-halal wal-haram, surat al-nisa wal-baqara, qui parle beaucoup de la sharia, des pratiques, seulement à la Médine, après que les gens, après que la foi s'est établie dans le cœur des personnes. Ça, c'est la compréhension de Aisha radiallahu ta'ala anha, al-faqihatu umul mu'minina wa zawju rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hada wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu ta'ala bis salati wa salami alayhi.